Est-ce qu'à songer, qui temps, qui moment, où rencontrer Césaire, première fois où rencontrer Césaire, est-ce qu'à songer ça? Première fois qu'on a rencontré M. Césaire, ouais. Bon, moi, honnêtement, rencontré jeune Martinique, hein, puisqu'elle était venue en quartier, moi, Châteaubœuf, tout ça, mais nous partageons, jamais, nous sommes à côté de conférencier depuis l'âge de 15 ans. Hein. C'est mon homme qui est venu faire conférencier pour le Châteaubœuf. Mais la rencontre est vraiment pour le plan culturel, c'est vraiment vieille Martinique, qui a cherché du travail, effectivement. Et moi, j'ai aimé Césaire pour dire maître Martinique, tout ça, m'a fait beaux-arts, diplômé des beaux-arts, m'a mis un doctorat en art plastique et m'a caché chez travail. Est-ce que je disais en monde, m'a mis oui, au CERMAC, tout ça. Il dit, moi, effectivement, M. Ono, il est assez âgé pour un grand peintre qui t'a créé l'atelier de 45, il pour prendre retraite, et ça dit que moi, m'a remplacé, quoi. Et il a dit, oui, mais il y a un petit problème. La Martinique a besoin d'un homme comme vous. Hein. Il faut rester. La Martinique a besoin d'un homme comme vous. Mais c'est dommage, la mairie n'a pas d'argent pour vous payer. Nous sommes en difficulté. Alors, il m'a dit, bon, je vais réfléchir, tout ça. Je me suis montré au papa, moi. Et il m'a dit, papa, moi, ça. Et le pater a dit, moi, si c'est zéro, où était, il faut pour était. Hein. Et à l'époque, moi, mon travail pour à peu près l'équivalent de 700 euros par mois. Et puis, qu'a fait cours au CERMAC, mes cours dessin, peinture, histoire de l'art, mais parallèlement, qu'a fait des cours au théâtre, chant, carnaval, de cas au atelier à 8h, nous avons fait, mais parfois 11h minuit. Et puis, des jeunes 80 dans ça, comment cadrer, tout ça. Et puis, depuis ça, et Césaire est venu voir moi presque tous les 15 jours au CERMAC, nous avons parlé, échangé, tout ça. Et sur la poésie, sur la Martinique, il est capoté des livres, moi, l'histoire de l'art, sur l'Africain, tout ça. Et puis, tous les 15 jours, à peu près, il était à l'atelier, il avait discuté, puis ce jeune homme. Et c'est comme ça que nous arrivons à connaître Conno et à approfondir. Puis j'ai compris qui m'ont marié, moi-même qui m'ont lié, et à un moment donné, ça c'est très fort ce contact entre lui et puis moi, quoi. Et mon quoi, ça est toujours appris, c'est qu'à moi, c'est que, quand il était dit, que moi, c'est un homme désintéressé. Parce que même après ça, comme il s'est travaillé près de 10 ans pour la ville de Poitiers, j'utilise même. Moi, un morceau de terre pour une somme assez symbolique parce que moi, je travaille gratuitement pour la ville pendant près de 10 ans. C'est les socialistes qui vont pouvoir que nous changer, paye nous, quoi, un petit peu pour bah, nous en paye qui cache les deux rapport parce que la mairie est en difficulté. Mais pour moi, dans ma tête, avant tout, en tant que militant culturel, jusqu'à présent, c'est un militant culturel pour faire avancer la culture martiniquaise et la civilisation caribéenne. Alors oui, militant culturel. Alors est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le militantisme culturel a encore sa place? J'imagine que oui, mais comment peut-il s'exprimer? Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est Aimé Césaire, Dr Aliké, Camille Darcier, tous ces gens-là, Amand Darcier, font un travail en profondeur pour faire avancer la société martiniquaise avec une formation politique. Tu vois, dans les balisiers, dans les quartiers, ils étaient formés ces jeunes-là sur le plan politique. Or, maintenant, tu constates qu'il n'y a pas de formation politique, vraiment. Alors, ce n'est pas une formation politique, c'est vrai, mon cas, aller voter pour un tel, mais ce n'est pas former des jeunes sur le plan politique, des mondes qui m'ont opéré militant culturel, ce n'est pas développer conscience pour qui il faut que nous ayons un chemin là, pour militer pour la culture. En plus, une chance de un type comme Aimé Césaire, comme on l'a dit, qui laissait ben, nos monuments de travail sur le plan politique, esthétique, théâtre, poésie, tous ces écrits, ça, là, qui tient des valeurs, ben, non. Suzanne Césaire aussi, Madame Lee, René Ménil, qui tient des valeurs, ben, non.
tous ces numéros tropiques là-bas, c'est pas dans formation politique. Après, on fait l'histoire en Martinique, on fait Fanon, Aimé Césaire, fait ces militants, les articles importants qui sont dans les deux tomes de tropiques. Et puis ça quand on fait ici, on en l'obaye, on est qui m'ont nouillé, qui problématique nouillé. Mais si formation un petit moins légère, favorité, exact, qui m'a donné un militant culturel, c'est pas une formation politique derrière. Et ça qui a manqué Martinique, c'est une formation politique et culturelle aussi, pour comprendre sans culture là, parce qu'il ne s'agit pas de faire mon danse, belle, tout ça, et puis mon nom, par contre, l'histoire de la danse, l'origine, côté sorti, tout ça. La peinture, il fait mon nom peine comme ça, mais ce n'est pas l'histoire de la peinture et tout ça. Il faut connaître tout ça pour permettre tout évoluer dans la démarche qu'on fait à quoi. Mm-hmm. Et à la formation en Martinique, c'est ça qui manquait, quoi. Bon, mais on a pensé que nous avons avancé doucement, comme Césaire Tika dit, à petits pas. Et c'est comme ça, des militants culturels, en fort prendre conscience qu'on a venu, des militants culturels, si on aime un peu pour, si on aime un pays, pour nous avancer, quoi. Pour ne pas quitter d'autres mondes venus manipuler, parce que la Caraïbe, c'est une belle île, des belles îles, la Martinique aussi. Et ni des loups-garous qu'il a, des mondes qu'il a, hein, pour des gens de prédateurs qu'il a, que nous disparaissons pour pas place là. Le travail que vous avez mis en place, que vous mettez en place, vous avez encore l'intention de transmettre. Donc là, c'est par le biais d'une exposition, c'est par le biais de poésie. Est-ce que tu es encore actif, si je puis dire, sur le plan de la transmission, de l'enseignement, les choses que tu viens d'évoquer? Oui, bon, j'ai fait ça pendant 40 ans, même après le CERMAC, j'ai créé l'école à l'IRAV. J'ai créé l'atelier de Saint-Patrick de Cermak, l'IRAV. Après ça, nous avons créé encore récemment l'école d'Interville en plastique musique. J'ai mon fondateur et puis Claude Césaire. Claude Césaire et le maire de Chelchek, Clémenté. Et puis Albert Clémenté, nous fait ces réunions ici, hein, dans l'atelier moyen pour créer l'école musique en plastique. Hein. Et puis notre camarade bassiste. Et bon, oui, c'était toujours du militantisme. Alors, nous travaillons pour créer l'école dans Paris. Hein, c'était une somme symbolique de Cabama, c'était du militantisme. C'était... Oui, bon, j'ai transmis, il y a le rôle sur la peinture à la Martinique. Mon gourmet pour me sortir du pétard, d'autres camarades, mon gourmet. Et parce que je me dit au départ que pas une histoire de la peinture martinique, pas une peinture martiniquaise, tout ça. Après plusieurs combats, mon brevet, il y a un combattant, et puis Marie-Jeanne, et puis les responsables culturels qui étaient là, et nous, ils ont sorti le beau livre, la peinture à la Martinique. En plus, et puis toute partie historique là, c'est moi qui ai écrit. C'est une contribution, quoi. Parce qu'au début, elle m'a arrivé, parce que le livre, il y a la peinture martinique. Hein. Mm-hmm. Premier livre, là, m'a sorti, peinture et sculpture. J'ai dit ça, dédié à Suzanne Césaire. Deuxième combat, pareil, mais il y a fait des petits fascicules pour diffuser ça. Bon, ça, c'est un premier livre pour montrer qu'on a une histoire qui était extrait de thèse doctorat en moyen, quoi. Et après, on a pensé que la dernière exposition, qu'elle nous montrait, qu'elle nous va transmettre un certain nombre de bails au niveau de la génération. Et comme nous tous sommes en l'âge à présent, je pense que c'est les nouvelles générations. Si vous formez à connaître la réalité du pays, vous pouvez puis épuiser dans toute démarche là que le groupe fromage est fait pour avancer en travail. Mm-hmm. Parce que aujourd'hui, au nom de l'art contemporain, le monde qui a fait un travail, de création artistique, mais déconnecté. Tu vois? C'est un genre de marchandise qu'il a, mais une marchandise sans consistance. Et nous y en espérons en culture qui a fait qu'on peut faire un travail, mais puis consistance, qu'à un moment donné, les Noirs américains ont créé le jazz, ils ont créé le blues, ils ont créé Kassab qui fait musique libre, le zouk qui développe ça. Au niveau de la peinture, nous peut développer un courant artistique qui vient à nous en tant que Caraïbéens. Mais si c'est pour y copier, ça c'est mon enfant en Europe, tout ça, et puis venir reproduire ça ici, parce qu'il y a des gens qui ne
bien formé sur l'histoire de l'art, à comprendre comme on a cru en Baïtia, même 20 ans, 10 ans, il a fait Baïtia, même 20 ans, il a fait ses Baïtia, il va reproduire sa Isia. Ça n'a pas apporté rien de nouveau pour l'histoire de l'art, en dehors de, des mondes qui ne connaissent pas l'histoire de la peinture de l'art, qu'après, on a un grand embarras, mais souvent c'est du plagiat. On parle d'histoire de l'art, et donc dans cette formulation-là, il y a histoire et il y a art. Est-ce que tu penses que donc, c'est l'histoire qui fait la spécificité de l'art de la Martinique? Est-ce que donc, cette histoire-là, parce que les autres lieux de la Caraïbe ont une histoire assez proche, celle que l'on connaît, un peu dramatique, est-ce que c'est donc ça la spécificité ou est-ce qu'il y en aurait d'autres, selon toi? Non, c'est-à-dire que, comme je le disais, bon, c'est de la recherche. Hein. Je n'ai pas de réponse en soi, mais je pense qu'on a ce potentiel-là en nous, les Caraïbéens, à créer et à faire sortir des choses, quoi. En nous, quoi. Comment c'est comme on dit ça? Mais ce travail est tellement gêné par d'autres choses, le marché de l'art, qu'il faut faire une peinture d'une certaine manière, et puis des peintures de telle couleur, dans tel format, pour vendre pour le, par rapport au marché de l'art, et l'entrée à notre chimenta, c'est sûr que tu passes à côté de toi, quoi. De travail en profondeur, en créant marchandise, comme du cassoulet pour aller vendre, mais c'est pas profond. D'accord. Alors, moi, je me posais la question de savoir pourquoi les artistes, en fait, ne se réunissaient pas pour voilà, échanger sur leurs avancées, leurs recherches, et puis simplement passer des moments entre eux. Parce que, bon, les artistes, ils peuvent... Je ne parle pas uniquement des plasticiens, hein, je dis globalement, est-ce qu'il n'y a pas une petite étrangeté dans le fait qu'il n'y ait pas des lieux de rencontre, justement? Non, mais tout ça, c'est ce que je disais, il n'y a pas de politique culturelle vraiment pensée pour les artistes. Ce qui fait que les artistes ont une difficulté, il n'y a pas de lieu, même pour les musiciens, pour jouer un espace correct, pour jouer musicio, tout ça, c'est difficile pour eux. Plein de musiciens lycéens, ils sont en souffrance, hein, si tu veux. Et au niveau de la peinture, la littérature, tout ça, il n'y a pas de lieu parce que nous sommes une colonie. Et tout le but de celui qui a colonisé, c'est mettez-moi en haut loin pour empêcher d'avancer de temps en temps. Je n'ai pas fait semblant dans des miettes qu'on prenait dans le bagaille. Mais c'est en difficulté qu'il y a. Et comme dans la mentalité, nous aussi, il n'y a qu'à diviser nous, nous ça fait ça. Chaque fois un petit groupe s'est fait, ben, il a répété tout ça. Et en plus, comme il a mis en tête nous, que chaque bête a fait quatre rires pour amener, il y a tout ce côté individualiste qui a venu. Et puis, comme entre les Martiniques eux-mêmes, nous pouvons régler les problèmes. Les problèmes mulattes, nègres, chabins, bêtis, tous ces problèmes-là, là, mais c'est sans mulattes, sans nègres, c'est ça. Pour qu'on ait, si tu veux, une unité profonde entre ce peuple-là, pour nous nier des échanges comme ça. Et au CERMAC, tu as commencé à dire ça. Le CERMAC, la matrice du CERMAC, tu as dit ça. Parce que le parc floral, tu as dit tous ces ateliers-là, tu as dit un restaurant-là. Et c'est là les artistes, comme on dit, qui ont venu échanger, discuter, prendre un pot, matin, tout. Plus tard, il fallait prendre la vol, si tu veux. Et c'est ça qui manquait, si tu veux. Des lieux comme ça, aussi bien, comme je disais, pour les arts plastiques, le théâtre, chaque monde a un coin qui a fait travail mieux, mais c'est ce système-là qui descend. Et puis, nous-mêmes aussi, quoi, chaque monde a toujours compris qu'il y a un Picasso, un petit Bastiat, un petit, tu vois, tout, surtout au niveau de la peinture, ça, ben, c'est toi et ton chevalet, on va vous aider d'autres mondes pour travailler pour, tu vois. Et c'est malheureux, quoi. Et puis... Donc si tu avais un conseil, si tu avais un vœu, un souhait à émettre? Non, le souhait c'est que effectivement que nous sommes un lieu de rencontre, mais quand je dis un lieu, c'est pas ça peut être un restaurant, bar-restaurant, piano-bar, un lieu où on peut venir pour un pot, discuter, échanger, il y a un petit espace pour faire une réunion là, tout ça. Ça dit que bien, on a eu essayé de faire ça pour les musiciens,
Jobie Bernard, des artistes martiniques, en tout cas, qui, ça, le monde, ça a commencé. Voilà, tout artiste a monté, changé. Et puis, si tu veux, dans la politique culturelle de l'époque, pendant 2 ans, il y a eu une subvention. Mais après subvention, il y a eu coupé subvention. Tout de suite après, ce truc-là venu en difficulté. Et puis, même là encore, ça a créé des problèmes. Et à l'époque, les politiques, c'est qu'à dire, quand on dit, quand j'ai changé mon date, on dit, je vois mon âge, quand on dit, ouais, il fait. Et en politique pour moi de l'argent pour aider pour sortir un CD et politique là répond il y a Jobie Bernard et en l'eau l'argent monte voir Jobie Bernard mais c'est lui qui nous l'argent alors en l'eau mon était fâché contre Jobie en disant il y a Jobie en l'eau l'argent et garder l'argent pour lui. Or c'est pas vrai, c'est des bails qui divisent nous encore et c'est ça le truc parce que si tu es par exemple en centre culturel comme ça ou ça pendant 7 ans, 8 ans, on est des aides en subvention, on est ensemble pour gérer ce structure-là et tout ça. Ça a duré. Et c'est toujours des trucs un peu éphémères. Quoi. Et comme je dis, il faut que les politiques s'engagent sur la politique culturelle. Parce que, effectivement, la culture doit rapporter de l'argent. Il faut qu'ils rapportent de l'argent. Il faut qu'on a mis en infrastructure des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux pour aussi vendre cette marchandise. Par exemple, à un moment, au CERMAC, il a dit ouais, il faut que ces produits-là, nous qu'a fait au CERMAC, là, vendent, il faut que ça vende, il faut que ça rentable. Et M. Césaire, il a fait venir des artistes étrangers, d'Afrique, de la Caraïbe, tout ça, pour propulser une rencontre d'échange, et puis les jeunes qui étaient en formation au CERMAC. C'est beaucoup là en train de former Koyo. Il y a pourquoi ça a même bien créé des formes et tout ça, où j'allais vendre un produit. Qui sert pas maintenant? Avant, il y a une étude, tu vois. Et tout ça, ça n'a pas été compris, le rôle du CERMAC dans la formation des jeunes, dans leur identité, dans leur histoire et la création. La formation du jeune martiniquais. Et on ne peut pas demander au gars à faire un produit pour vendre, tu vois, puisqu'il n'a pas encore la maturité ni la formation, le temps qu'il faut pour aller vendre un produit. Même un artiste, parce que tu es dans une école d'art, c'est après 5-6 ans pour parvenir. Artiste, parce que tu es une influence de tous les profs, des cours, et tout ça. Ce n'est pas tout de suite parvenir artiste, c'est pour aller vendre un produit, ouais, tu vois. Et puis il y a un truc aussi qu'on peut reprocher aux politiques ici, c'est que. Et M. Césaire est en contact avec les artistes. Quand il vient discuter, et puis artistes, toutes disciplines, musique, tambour, théâtre, il écoutait les artistes, tu vois. Il était capable de des réponses en fonction de très peu de moyens qu'il avait à l'époque, tu vois. Et là, il y a une coupure entre les artistes et le politique, tu vois. Et dans notre société, pour comprendre, parce que, au point, par exemple, des problèmes. Culturel qui pose ici, hein, c'est des boîtes en France et au point pour venir faire audit des problèmes culturels, martiniques. Donc là, dans une boîte qui Paris, tout ça, là, qu'est-ce qu'il peut comprendre ici, hein? Tu vois, c'est toute des aberrations, bon, ça qui a fait qu'on est dans la situation. Tu parles franchement sur les choses, ici, il y a quand même au placard. Parce que, quoi déranger politique là, qui est allé là, et tout ça, que vous comptez, ou pas contre personne, on l'a. L'artiste est un homme libre, il doit dire ce qu'il a pensé, mais tout de suite, il a mis au placard. Il a mis moi au placard au début, à la Martinique, à plusieurs reprises. Hein. Mais là, il a mis moi au placard, ça a mangé moins. Bon, je fais travail de réflexion, moi, je fais bagaille, moi, mais oui, c'est oui. Que plusieurs fois, des étrangers, des pays, des invités, moi, c'est Martinique, c'est mon. Bloquer moi, empêcher moi de partir. Hein. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Comment on t'a invité à Cuba, les gens nous ont dit non, on t'a invité à Trinidad, il y a un barrage et tout ça, à part la politique à l'époque de la DRAC. Plusieurs mondes, plusieurs invitations, invitez-moi, non, on est lu ça, tiens, et puis tu as voué des artistes qui avaient en contemporain représenté, non. Le problème qui se pose, c'est. Est-ce que c'est mon nom qui parle? Parce que dans certains mondes, bon, on nous a mangé, il ne faut pas tout dire, machin et tout, parce que il y
un peu coincé parce que on dit tel bagaille, moi, bon, c'est ça. Mm. Mais par exemple, des articles, moi, je les fais passer un moment sur des journaux ici, à tout ça, j'ai pratiqué à publier des articles-là, tout ça. Parce que Césaire qui a dit ça, justement, dans son texte, Appel aux magiciens, qui a dit depuis le temple du soleil, depuis l'Afrique, depuis l'Inde, trop de distance a été calculée ici entre les choses et nous. Et c'est nous-mêmes qui a joué Jutard. C'est des Martiniquais qui a mis bois en l'eau, empêché d'avancer. Il y a un jeu ambigu entre nous-mêmes. C'est pour ça que moi, dans la réalité, ça va. Alors, René, je vais te demander quelle est la part de spiritualité que l'on retrouve dans ton travail, comment cela transparaît? Oui, alors ça transparaît comment? Déjà, depuis les années 80, j'ai commencé à faire des installations. Je faisais des installations quand j'exposais, et même avec mes élèves, si tu veux, et au CERMAC. Et souvent, les Martiniquais disaient que mes installations, c'était du quimbois, que c'était pas de l'art et tout ça. Et même dans le milieu artistique, critique et tout ça, c'était très mal vu. Mais j'ai continué à faire mon travail, je sais ce que je faisais. Effectivement, mon travail est imprégné d'un symbolisme afro-caribéen, aussi bien dans inspiré du vaudou, de la santeria, inspiré du condamblé. Et dans toutes les civilisations, les religions, je me pense que ça a intéressé moi et puis m'ont fait propre conception poétique, spirituelle de ma pensée, un travail de synthèse des grandes civilisations et puis histoire nous, Adam. Et religion moins sur le maronisme moderne, m'a créé propre sanctuaire moins, qui nie éléments, histoire de toute civilisation Adam, et manière Rochaine aussi, pour ne pas oublier que moi c'était esclave, moi j'étais dans cet esclave aussi. Et tout ça pour dire que c'est une ouverture d'esprit, moi pas dans des systèmes de croyance. Moi c'est un chercheur, un anti-chercheur, qui fait une démarche de recherche scientifique sur les différentes religions, sur les religions animistes aussi, mais m'aborder tout ça de manière anthropologique, historique et puis en méthodologie pour comprendre le mécanisme que les hommes créent, que l'humanité crée pour permettre le travail moins avancé. Mais on parle d'un pièce système religieux. L'université, justement, sur la philosophie du maronisme moderne et ma démarche au niveau de la création. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire une communication sur la philosophie du maronisme moderne à la Sorbonne, dans le cadre d'un festival, dans le cadre d'un colloque international. Et puis j'ai eu l'occasion aussi d'exposer à Paris avec ECRIC, une association de Parisiens, quoi, des Martiniquais. Afro-Caraïbes qui faisait un travail important sur Paris et qui nous a invités, des artistes martiniquais, à faire une belle exposition à la Cité internationale et avec une détermination, avec très peu de moyens, ils ont pu faire beaucoup de choses et ça nous a permis de faire une très belle exposition avec du bon monde, des critiques d'art, des historiens d'art ont visité cette exposition. Pour moi, c'est un grand moment aussi dans mon travail et ma démarche avec cette association, avec Madame Catherine Blanchard, qui pour moi c'est un travail de militantisme, de conscience, pour faire une reconnaissance de notre travail en tant qu'artiste caribéen. Comme le dit le pauvre poisson, il m'apprenait à pêcher, mais il ne me donnait pas le poisson. Il m'envoyait, il me donnait des éléments pour aller chercher encore, si tu veux. Et ça enrichit effectivement ma démarche. Et j'étais très lié avec lui, en dehors de la poésie. J'ai travaillé sur ces pièces de théâtre, comme je vous disais la dernière fois. Et pour moi, l'exposition à Washington a été un grand moment. Ma rencontre avec la poésie d'Aimé Césaire est un grand moment qui m'a formaté. Ma rencontre avec cet homme-là aussi a joué un grand rôle dans ma vie.